Salut tout le monde, je me trouve présentement à l'entrée de mon patelin, c'est-à-dire d'Olbeau-Mistassini, la capitale du Bleuet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite visite guidée de mon coin de pays. Mais moi, étant donné que j'ai grandi dans le secteur d'Olbeau, on va juste se concentrer sur ce secteur-là. Mais de toute façon, comme le dit Mario Pelcha, hein, qui est aussi originaire de la place, d'Olbeau, c'est ben beau, mais Mistassini, c'est du vomi-cha. Une ville, c'est pas une ville sans un rassemblement de commerce, un centre d'achat. Ici, on a les promenades du boulevard. On va aller faire un tour. On a aussi un centre hospitalier pour répondre à la demande de la population. D'ailleurs, il y a Steven qui songe à aller se faire soigner. 5 jours d'éveil! Mais non, faut que tu rentres en dedans, Nassin! Ah! Une bonne bouffe, c'est ici que ça va se passer. Ici, c'est chez Rio. Ici, il y a de tout. Okay? Il y a des hamburgers, des hot dogs, des poutines. C'est un restaurant 24 heures en plus. Et comme n'importe quel restaurant 24 heures, t'as un employé qui a fait ses preuves. Ici, elle s'appelle Ginette. Ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle donne du sucre à la crème à ses bons clients. Elle cache en dessous d'un gros plat de Tupperware qu'elle met sa caisse. Moi, ça fait 14 ans que je viens ici, j'en ai jamais eu. Alors, message à toi, ma chère Ginette. Là, t'as pas filmé restaurant à vendre? Ouais. Allez, Innocent, on est à l'aréna. C'est ici que les petits gars vont venir disputer leur première game d'hockey. Puis ce qui est drôle, c'est que 2-3 ans plus tard, tu vas les retrouver juste de l'autre côté de la rue, au parc de planche à roulettes. Écoute-moi bien, mon gars. Le skatepark, c'est pas juste une place où est-ce que tu vas aller t'érafler pour demain à manquer 3-4 kickflips. Non, c'est aussi le lieu idéal pour te vanter tes chums que tu viens de passer deux doigts à Petit Girard. Ça, ou fumer du pot d'une canette d'orangeade. Choisis ton camp. Hey, c'est pas beau, hein? Hey, Matt, c'est quoi la bâtisse qui en arrière de toi? C'est-tu un asile abandonné? Non, ça, c'est le Juvenat Saint-Jean. C'est une école secondaire privée. Il y a même du monde qui vient de l'extérieur pour étudier ici, genre Chibougamau. Ouais. Il y a des dortoirs, là, puis il y a des périodes d'études obligatoires. La religion, c'est bien important là-dedans. Hein? Il y a même des frères qui font l'enseignement puis qui dorment là à l'année longue. Ouais. C'est un asile, finalement. On a aussi la rente d'avoir une école normale! Encore une fois, une ville, c'est pas une ville, ça n'a pas un festival. Je suis présentement sur le site du festival du Western. Pendant quelques jours ici, c'est les bottes de cowboy, les spectacles country, les balles de foin, le méchoui. C'est l'endroit idéal pour Shania Twain. Le reste du monde, on s'en calisse. Olbeau, c'est aussi une ville trash. Ici, il y a eu des after-hours. Ça ouvre, ça ferme, c'est pas clair. Check, même l'enseigne a décidé de crisser le camp. C'était l'endroit idéal pour voir du monde dans le genre « Hey, après notre gourou, on s'en va-tu à l'appart ou au PlayStation? J'ai plus mes dents! » Mais depuis un bout, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Je pense qu'il y a eu du monde qui a fait le trafic de boissons. Mais inquiétez-vous pas, les fautifs se sont fait prendre et se sont fait dépecer à la boucherie de la boue. La première fois que je suis sorti, c'est ici, au Boss Billard. C'est à partir de là que je suis devenu épais. On est en Maison-Blanche. Check juste de me mettre la main sur la tête à Thérèse, je pète à le .08. Mais la place idéale pour l'échapper, c'est ici, au Vox Populi. Ça, c'est le seul bar underground de la région. Ouais. Du Grimskunk, des pintes à 3$, du Mondelette, asti qu'on est bien. La seule affaire que j'ai pas faite ici, tu penses, c'est chier. T'as envie de boire une bonne bière, c'est ici que ça se passe. Ouais, mais moi, j'aime bien ça, une bonne blague de temps en temps. Ta gueule! Non. Et un conseil à te donner si tu décides de sortir en ville, habille-toi pas comme ça. Non, je le compte plus le nombre de fois que je me suis fait traiter de tapette. Check. Trip ces motocross deux temps, achète-toi des t-shirts métal militia, tout va être bien correct. Comme vous pouvez le constater, d'Olbeau-Mistassini, c'est un incontournable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoute, l'été, on a des belles plages, on a de la crème molle. Puis ce qui est le fun avec les Bleuets, c'est que c'est du monde ultra sympathique puis accueillant. C'est du monde qui... Oh, chier, mec! Ah, Steven, on t'a vu dans la vidéo tout à l'heure, là. Tasse-toi! Mais ta blouse! Arrête ça! On a une salle... Je l'ai pris! Hey, mon petit Christ, on m'a envoyé un filet correct! La lignée d'entente, est-ce qu'il...